nom de Jésus, Seigneur. Amén, amén, aleluya. Esta alabanza dice: tengo sed de tu presencia, aleluya. ¿Sabes que tu mamá, con papá, tu cajoní, el mundo le lo corre para mí? Y se s'emparía le corre. On a una sensación de soif. Il suffit que tu ne pries pas. Il ne suffit que tu ne dises plus. Il ne suffit que tu te fais plus en communion. Et tu commences à te dessécher. Et il est temps de demander, Seigneur, je soif de ta présence, aleluya. Bendito sea Dios. Dice así. Tengo sed de tu presencia. De tu presencia. Señor, de ti. Tengo sed. Aleluya. De tu presencia. De tu presencia. Oh, Padre mío, dame paz.
mi lugar era tú, pero no ocúpate tú, ya has querido trasladarme de tinieblas a tu luz. Me sentaste en las alturas por la más alta vida, y a cambio tú miraste con la baja humanidad, y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme. Me has hecho caer de oro para que por ella pase. Nous allons présenter ce moment devant Dieu. Par contre, mon frère, tu présentes ce moment, s'il te plaît. Seigneur,
te queremos darte gracias esta mañana, Señor Jesucristo, porque es un privilegio, una gracia de encontrarse aquí, Señor Padre, para escuchar tu santa palabra, Jesucristo. Señor, bendícelo, hermano y la hermana que se encuentra aquí, Señor Jesucristo. Señor, cómo no presentarte el portador de tu santa palabra, Señor Jesús. Úngelo de tu Espíritu Santo, Señor Padre. Señor, porque tenemos falta de palabra tuya. Tenemos falta en nuestros corazones, Señor Jesucristo, que tú lo hables. Queremos decir amén a tu palabra, Jesucristo. Y gracias porque tú lo haces. Y a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que dice, en s'approchant de l'ange. Aleluya. ¿Tú le chantas avec moi? En s'approchant de thank you.
ces beaux chants dans la gloire du Seigneur. Voilà notre frère qui va nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Il s'est fait tout bon, parce que le Seigneur le dit là.
Gracias.
pastorer bien dans notre cœur. Amen. Parce que notre cœur est prêt à écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que Jésus est bon. Amen. Jésus est bon. Jésus est créateur. Jésus est Dieu. Amen. Jésus pardonne les péchés. Amen. Jésus est la lumière. Alléluia. Amen. Et en plus, Jésus est beau. Alléluia. On a besoin de Jésus tous les jours de notre vie. Donc même si physiquement, moralement, on n'est pas trop bien, l'essentiel c'est que notre cœur soit disposé. Amen. Quand on prie, comme on a fait, quand on a commencé, lui, il est toujours disposé à nous écouter. Amen. À tous les chrétiens du monde entier, à tous les malheureux qui vont crier vers lui, lui, il est attentif à toutes les prières qu'on lui adresse. Amen. Du matin au soir, il passe toute la nuit, il est là, prêt à nous écouter. Alléluia. Il est toujours disposé à nous écouter. Eh bien, nous soyons disposés à l'écouter quand il veut nous parler. Quand il veut nous dire, béni pour ses noms, ses noms, nous sommes tous à toi. Parce que la vérité, on est plus disposé à recevoir qu'à donner. C'est vrai ou pas? On est disposé à dire, Seigneur, donne-moi, fais ceci, et cela, béni un tel, donne-moi ci, donne-moi ça. Et on est disposé à recevoir. Et on n'est pas si disponible que ça pour donner quand il nous dit, donne-moi ceci. Mais des fois, Dieu nous demande, il ne veut pas donner, il nous demande. Et sur la chaîne, c'est dimanche matin, c'est nous qu'on doit donner, c'est pas lui qui doit donner. Et dimanche matin, c'est un culte. Et dans un culte, celui qui va recevoir, c'est lui. On vient pour donner un culte. Et un culte, c'est le louer, c'est l'adorer, c'est l'exalter, c'est le glorifier. On a pris toute l'après-midi, si vous voulez, pour demander. Mais dans un culte, louons Dieu, exaltons Dieu. Parce qu'il est bon de louer. Béni soit le nom de Dieu, Seigneur. Adieu et toute la gloire. Alors, aujourd'hui, on ne va pas parler de la grande tribulation. Hein? Ce n'est pas pour dimanche matin, la grande tribulation. Le dimanche matin, il faut parler de, vous le savez, quelque chose qui touche la vie chrétienne. Quelque chose qu'on peut mettre en pratique. Et ça concerne notre vie avec Dieu, avec l'Église, avec notre prochain, avec notre famille, etc. Béni soit le nom de Dieu, Seigneur. Alors, dans sa grâce, dans son amour, comme quand on dit Dieu, la grâce de Dieu, dans sa grâce, Dieu a fait de nous des merveilles. Tu ne peux pas t'imaginer, et je ne peux pas l'imaginer, on n'aurait jamais réalisé à être assez conscient de ce que Dieu a fait de nous. On n'aurait jamais. Parce qu'on ne peut pas expliquer avec tes mots, avec tes paroles, le travail que Dieu fait. On ne peut pas expliquer. Écoutez bien, matériellement parlant, depuis que Dieu a créé la création, l'homme parle de la création, de la science, des étoiles, de la lune, du soleil, les hommes parlent des animaux, les hommes parlent de la terre, des océans, des poissons, etc. Eh bien, ils n'ont pas encore fini. Ça fait 6000 ans que l'homme parle de la création, il n'a pas encore fini. Amen. Amen. Et ça, c'est du matériel. Imaginez-vous le spirituel. Vous avez compris ça? Ce que Dieu fait dans une vie, on ne pourra jamais le détailler, l'expliquer à sa juste mesure. On est capable, on ne peut pas. Béni soit le nom de Dieu, Seigneur. Lorsque Dieu fait un travail, il le fait à merveille. Il le fait à la perfection. Et Christ à la croix a fait de nous la lumière du monde. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Nous sommes la lumière du monde. Mais pourquoi faire? Amen. Pourquoi faire? Dieu n'a pas fait de nous la lumière du monde pour la planter sur la terre et pour que les gens la voient. Tout simplement, si Dieu a fait de nous la lumière du monde, c'est qu'il y a un but, il y a une raison, un motif, il y a quelque chose. Dieu ne fait pas pour faire. Donc prenez ça. Béni soit le nom de Dieu. Alors, on va aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, et verset 14. Et voilà ce que Jésus va dire. Vous êtes. Il n'a pas dit, vous avez été, vous serez, il a dit, vous êtes, c'est au présent, vous l'êtes. Alors, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et ensuite, il m'a dit, retenez ce mot, caché. Il m'a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ensuite, il dit verset 16, que votre lumière luise, sachez que votre lumière brille, ainsi devant les hommes,
Enfermes qui voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Jésus-Christ, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Amen. C'est par rapport au sacrifice de la croix que nous sommes ce que nous sommes. Amen. On ne peut pas être la lumière du monde sans passer d'abord par la nouvelle naissance. Quiconque n'est pas né de nouveau n'est pas la lumière. Vous avez compris ça? Avant d'être la lumière, il faut être né de nouveau. Pour être né de nouveau, il faut accepter le Christ. Mourir avec Christ et ressusciter avec le Christ. Et ensuite, on peut être la lumière du monde. Alors, l'Église que Dieu a plantée sur la terre, elle a fait d'elle la lumière du monde. C'est-à-dire que le monde n'avait pas de lumière. Voilà pourquoi Dieu a fait une église qui est la lumière du monde. Parce que dans le monde, il n'y avait pas de lumière, tout simplement. Rappelez-vous au début de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit que la terre était en forme vide, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible dit comme ceci. Et ensuite, les ténèbres étaient là. Écoutez bien. Il y avait des ténèbres. C'est-à-dire, ce n'est pas les ténèbres diaboliques. C'est l'obscurité et la colina. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. La première des choses que Dieu a fait, c'est que la lumière soit et la lumière fut. Et en créant la lumière, il a fait disparaître les ténèbres. Donc Dieu a créé la lumière parce qu'il y avait des ténèbres. Voilà pourquoi. Dieu a créé une église. Des églises, il a fait la lumière parce que sur la terre, il y avait des ténèbres. Et la terre avait besoin de lumière. Les hommes avaient besoin de lumière. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous sommes la lumière que Dieu a créée et établie sur la terre, parce que les hommes et le monde ont besoin de cette lumière. Les hommes, le monde est aveuglé par les religions, par les sectes, par le péché, par la convoitise, etc. Tout ce que vous voulez. Mais le monde n'a pas de lumière dans la conscience, dans l'esprit, dans le cœur, dans l'intérieur. Ils ne sont pas éclairés. Au contraire, ils sont ténébrés. Alors, Dieu a décidé d'établir une lampe, une lumière sur la terre qui est vide, afin que le monde soit éclairé. Voilà pourquoi Dieu a créé une lumière. C'est pour éclairer tout simplement. Béni le Seigneur, béni le Seigneur, amen, le Seigneur, le Seigneur. Ici, si on était, il y a les ténèbres qui vont venir. Je parle des ténèbres dans le sens naturel. Et dès qu'on allume, les ténèbres se dissipent, disparaissent. Béni le Seigneur, béni le Seigneur. Là où le chrétien est, les ténèbres prennent la fuite. Vous avez compris ça? Les ténèbres et la lumière ne peuvent s'accorder ensemble. Ça ne va pas d'accord. Ils ne peuvent se mélanger. Soit c'est ténèbres, soit c'est lumière. Soit on est enfant de Dieu, soit on n'est pas. Soit on est né de nouveau, soit on n'est pas né de nouveau. Soit on est chrétien, excusez-moi, soit on n'est pas chrétien. Vous comprenez ça? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas être riche si on n'a pas cette lumière que Dieu nous a donnée. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous sommes la lumière que Dieu a mise sur la terre pour le moyen de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ensuite, écoutez bien. Jésus-Christ, Jean 9, verset 5. Je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Mais il a dit, je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça veut dire qu'un temps viendra où je dois être crucifié, ressuscité, monter au ciel. Et après, ça sera vous qui allez prendre la suite, la relève. Vous avez compris ça? Jésus est la lumière du monde pendant qu'il était sur la terre. Un temps, 3 ans. Pendant 3 ans, il a été la lumière du monde. Il a éclairé. Mais après, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Donc sur la terre, il n'y a plus de lumière. Alors Dieu a établi l'église, béni le Seigneur, le Seigneur, parce que le monde a besoin de lumière. Le monde a besoin d'être éclairé. Béni le Seigneur, le Seigneur, la direction de toutes les lois. Dieu est lumière. Si vous regardez la Bible, essayez de comprendre ce que je veux dire. Avant que la Bible présente l'amour de Dieu, la compassion, la miséricorde, la patience, la bonté, la Bible présente avant tout Dieu et lumière.
avant tout, c'est la lumière. Quand est-ce que la lumière présente l'amour de Dieu? Lorsque la lumière a présenté Dieu en tant que Père. En tant que Père. Vous comprenez ça? C'est là qu'il a manifesté son amour en donnant son Fils à la croix. Mais la première attribut de Dieu qui fait, enfin, que la Bible présente, ben c'est la lumière. Avant tout, c'est la lumière. Donc ça veut dire que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, ce qui doit refléter de nous, avant tout, c'est la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Béni le Seigneur. Et la première des choses qui doit refléter, la première des choses que les gens doivent voir, c'est la lumière et bonne chose. Béni le Seigneur. Alors, Jésus a dit, je suis la lumière. Quelle différence y a-t-il lorsqu'il a dit, vous êtes la lumière, et quand il a dit, je suis la lumière. C'est-à-dire que Christ est lumière, on peut dire comme ça, c'est pas vraiment le mot, par nature. Parce que quand on parle de nature, il y a commencement, il y a naissance, il y a création. Mais Jésus, ce n'est pas une nature qu'il a, c'est sa personnalité. Amen. Et quand il s'agit de sa personnalité, c'est sa divinité. Mais quand on parle de nature, c'est son humanité, c'est son corps physique charnel qu'il avait sur la terre. Donc la personnalité divine de Jésus est lumière. Et quand il a dit « Je suis la lumière », c'est sa divinité. Vous comprenez ça? Mais quand il a dit « Vous êtes lumière », ça veut dire que c'est lui qui a fait de nous la lumière que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous, on n'est pas lumière par nature. On n'est pas né chrétien. Vous comprenez ça? C'est la croix qui a fait de nous la lumière que nous sommes aujourd'hui. Vous avez compris ça? Bienvenue au Seigneur, le Seigneur. Donc, nous, il a fallu mourir en Christ, ressusciter avec Christ pour devenir la lumière que nous sommes. Mais lui, sa personnalité de toute éternité est lumière. Vous avez compris ça? Et en plus, la différence, c'est que quand il a dit « Je suis la lumière du monde », il s'agit d'un chandelier d'or. Vous avez compris ça? Il s'agit d'un chandelier d'or. Parce que Jésus dans la Bible est représenté par le chandelier qu'il y avait dans le tabernacle. Et ce chandelier, c'est Jésus, la lumière du monde. Mais quand il a dit « Vous êtes la lumière du monde », il ne parle pas d'un chandelier. Nous, on n'est pas un chandelier. On le sera dans le ciel. Apocalypse, chapitre 1er, il dit que Jean va se retourner et va voir sept chandeliers d'or. Ça, c'est l'Église parfaite dans le ciel. Dans le ciel. Mais sur la terre, on n'est pas des chandeliers. On est des lampes d'argile. Amen. Quand il dit « Je suis la lumière », ça veut dire, je suis le chandelier d'or. Quand il a dit, vous êtes la lumière, ça veut dire, vous êtes des lampes d'argile. Vous avez compris ça? Ça veut dire que, excusez-moi, je le dis pour moi, ça veut dire que je n'ai pas de valeur. L'or a de la valeur, l'argile n'a aucune valeur. Parce qu'étant de l'argile, et quelquefois, on se prend pour moi. Imaginez-vous si on aurait été de l'or. C'est l'or. Alors Dieu a une raison de faire de nous de l'argile. Mais il y a une différence entre l'or et l'argile, mais il y a quelque chose qui n'a pas de différence. C'est l'huile. L'huile qu'il y avait dans le chandelier d'or, c'est la même qu'il y a dans la lampe d'argile. C'est la même. Amen. L'esprit qu'avait Jésus quand il était sur la terre, c'est le même esprit que nous avons. C'est le même Saint-Esprit, il n'y en a pas deux. Vous comprenez ça? La seule chose qui change, c'est le travail d'activité. Christ, sur la terre, avait l'Esprit, et la Bible dit qu'il s'est offert par un Esprit éternel à la croix du Calvaire. Donc, le travail de l'Esprit en Jésus, c'était d'accomplir la loi. Amen. Mais nous, ce n'est pas pour accomplir la loi. L'Esprit en nous, c'est pour mettre en pratique la parole de Dieu. Bénis le Seigneur, le Seigneur. Donc, c'est le même esprit. C'est pas peut-être la même activité, le même service, le même travail, parce que lui, c'était pour accomplir, et nous, c'était pour mettre en pratique ce que lui a accompli. Bénis le Seigneur, le Seigneur. Parce que lui, s'il n'aurait pas accompli, personne n'aurait pu mettre en pratique la parole de Dieu. Personne.
Bendito sea el nombre del Señor. Donc, je vous donne ce privilège d'avoir le même Saint-Esprit que Jésus. Vous le même. Il nous conduit, il nous éclaire, il nous apprend, il nous relève, il nous fortifie, il nous avertit, il nous parle, il nous fait du bien. Bendito sea el nombre del Señor, la vie de sa propre mémoire. Amen. Donc, on est la lumière du monde par le moyen de la nouvelle naissance. Et nous avons le même Saint-Esprit. La différence, c'est que nous sommes une lampe faite d'argile. Amen. Bénis le Seigneur, le Seigneur, à Dieu, sur toute gloire. L'argile, c'est ce corps qui est faible, qui est fragile. La lampe d'argile, c'est le temps par terre qui risque de se briser, de se casser. Et on est fragile. Sinon, vous savez comment on est aux yeux de Dieu? Vous lisez Apocalypse, chapitre 5. Il dit que devant Dieu, il y a une mer de cristal. Une mer, là-bas, de cristal. Le cristal, c'est beau, c'est cher, mais il n'est pas plus fragile. Vous prenez un verre à 1 euro, il est plus costaud que le cristal. Le cristal, ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus beau, d'accord? Mais c'est beaucoup plus fragile. Et voilà ce qu'on est. On peut être beau, on peut avoir de la valeur, mais il ne faut jamais obliger. Il ne faut jamais oublier qu'on est très fragile. Vous comprenez ça? Que Dieu nous garde, mais Dieu sait qu'on va laisser de la vie de sortir de mort. Alors, Dieu nous a donné deux moyens pour pouvoir être éclairé. Deux moyens. Alors, quels sont les moyens que Dieu nous a donnés afin de pouvoir éclairer? Parce que Dieu a fait de nous la lumière, parce que dans le monde, il y a des ténèbres. Et les gens qui sont dans les ténèbres ont besoin d'être éclairés. Et nous, on a deux moyens pour les éclairer. Donc, c'est la parole de Dieu avant tout. Amen. La parole de Dieu. Vous pouvez lire Proverbe 6, 23. Il dit que l'enseignement de la parole est une lumière. Amen. Les gens sont dans les ténèbres, les gens ne comprennent pas, les gens sont aveuglés. Et à l'écoute de la parole de Dieu, l'enseignement va les mener à la clarté, à l'évidence, à la vérité, au pied de la croix. Et là, ils vont être éclairés, là, ils vont comprendre. Vous comprenez ça? Bénis le Seigneur, le Seigneur. Donc, l'enseignement de la parole de Dieu est un moyen pour éclairer. Mais voilà la même chose. Donc, il faut être équilibré. C'est bien beau d'enseigner, c'est bien beau de prêcher, de témoigner, tout ce que vous voulez. Mais si la vie n'est pas en accord avec le message qu'on apporte, le message ne pourra éclairer personne. Vous avez compris ça? Le message, la prédication, le témoignage, quand on témoigne à droite à gauche, donc tout ce qu'on dit, amen, il faut que ce soit d'accord avec la vie qu'on est en train de vivre. Amen. Donc si les gens voient qu'on vit l'évangile, quand on va témoigner, quand on va parler de Dieu, eh bien ça pourra éclairer. Vous comprenez ça? Mais s'il y a un mauvais exemple, un mauvais témoignage, le mauvais témoignage, ne va tout faire, va apporter de un empêchement à son vie. Vous comprenez ça? Et les gens, au lieu d'écouter ce qu'on va vivre, eh bien, ils vont refuser parce qu'ils voient des choses qui ne sont pas d'accord. Les gens du monde, ils n'ont plus besoin de voir que d'entendre. Parce que les gens du monde ressemblent à Thomas. Il faut qu'ils voient pour qu'ils arrivent à croire. Vous comprenez ça? Venez tout seul, on va le Seigneur. J'ai déjà dit ceci. Plutôt la parole de Dieu. Le témoignage, c'est acte 8. Et on est les témoins de Jésus. Et un témoin parle de quelque chose qui est d'accord avec sa vie. Alors, prenez ce que la Bible dit. Jean, chapitre 1, verset 4. Il va dire, en parlant de la parole, il dit, dans la parole, en elle, dans la parole, il y avait la vie. Et dans cette vie, il y avait la lumière des hommes. Je vais prendre la vie comme ça, vous comprenez. Ça, c'est la parole. Dans la parole, il y a la vie. Et dans la vie, il y a la lumière. Donc, s'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de lumière. Amen. Si on ne vit pas la parole, c'est la preuve qu'on n'a pas la vie. Et si on n'a pas la vie, on n'a pas de lumière. Si on vit la parole, c'est la preuve qu'on a la vie. Amen. Et là, on pourra porter la lumière. Là, on pourra éclairer. Bendit le Seigneur, le Seigneur. Dieu a fait de nous la lumière du monde pour éclairer, pas pour autre chose.
Bendito sea el nombre del Señor. Aquí es la primera cosa. Alors, il m'a dit, Matthieu 5, verset 14. Une ville située, construite sur une montagne ne peut être cachée. Si on prend une grande montagne et en haut de la montagne, on construit une ville, cette ville ne peut pas passer inaperçue. Tout le monde va la voir parce qu'elle est à hauteur. Voilà comment Dieu a créé l'Église et établi l'Église. Dieu a créé l'Église et l'a placée dans les hauteurs. Amen. Avec que le monde puisse voir la lumière qui est l'Église. Amen. Dit le Seigneur de Jésus, dont l'Église est à la vue du monde entier. Amen. Tous. Nos voisins, nos familles, dans le travail, tout le monde nous fait, tous, sans exception. Bendito sea el nombre del Señor. Imaginemos que sea esta mesa. Como aquí, no la ordena. C'est la nuit. D'accord? C'est la nuit. Nous, on ne voit pas les gens qui sont dehors. Mais les gens qui sont dehors nous voient. Pourquoi? Nous ne les voyons pas parce qu'ils sont dans les ténèbres et la colidade. Mais eux, ils nous voient. Pourquoi? Parce qu'on est dans la lumière. Donc, on est à la vue de tous. Tout le monde nous fait. Et le moindre détail négatif, la victoire. Donc faisons tout, amen, pour la gloire de Dieu, par amour à Dieu, pour le bien de l'Église, faisons tout pour présenter un témoignage équilibré. Bendito sea el nombre del Señor, Dieu est sur la gloire. Donc, Dieu nous a placés, amen, là où il fallait. Amen. Là où il fallait. Dieu nous a donné une place. Restons à la place que Dieu nous a donnée. Bendito sea el nombre del Señor, Dieu est sur la gloire. Alors il a dit, verset 15, on n'allume pas. Ça veut dire, je ne suis pas d'accord. Lorsque Jésus a dit on n'allume pas, ça veut dire, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça veut dire, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc il a dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous savez ce que c'est un boisseau? Imaginez-vous que on allume une bougie. La bougie est allumée. D'accord? On prend, je ne sais pas, une saladine, un râteau, et on le met sur. La bougie va rester allumée, mais la lumière ne sert à rien. Elle est allumée, mais elle est cachée. Et Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour faire ça. On n'allume pas une lampe pour la cacher. Vous comprenez ça? Et un boisson, vous savez ce que c'est que c'est quelque chose qui servait pour mesurer le blé et tout ce qui était blé, maïs, et l'orge, etc. Et ça, ça existe encore. Correct, par exemple, pour anticiper à ça. Habitons la canasta de pain qu'on avait à la ronde, la cuisine. Quand on l'entraînait, les gens savaient que ça faisait à peu près 5 kilos. Donc, ce n'était pas la peine de peser à chaque fois. Et bien, ça faisait 5 kilos. Et bien, c'est ça le poisson. Vous comprenez ça? Et lo que hacía, lo volvía y tapaba la lámpara. Y la lámpara restait allumée, mais la lumière ne servait à rien. La lumière ne pouvait pas éclairer la maison. Et Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour faire ça. Donc Jésus n'est pas d'accord. Vous avez compris ça? Bendito sea el nombre del Señor. Quand on allume et on cache, Jésus n'est pas d'accord de cacher la lumière que lui a mis à nous. Amen. Il n'est pas d'accord, il ne veut pas. Bendito sea el nombre del Señor. Jésus n'a pas fait de nous la lumière du monde pour qu'après nous on la cache. Amen. Nous sommes une ville construite sur une montagne. Et Jésus a dit, elle ne peut pas passer inaperçue. Tout le monde doit la voir. Et si maintenant nous, on met le boisseau et on cache, Dieu n'est pas d'accord. C'est-à-dire, on ne peut pas cacher la vérité. Amen. Il ne faut pas cacher la vérité. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Mais voilà, la vérité, avant de la vivre, il faut la vivre. Amen. Sinon, ça ne sert à rien que je vous cache la vérité si je ne la vis pas. Amen. Ça ne sert à rien. Il faut d'abord la vivre dans son foyer avec sa femme, ses enfants, et ton propos, et ensuite, moi, en parler. Vous comprenez ça? Parce que si moi, je vous parle de la vérité, mais que je ne la vis pas, je fais ce que Jésus vient de vivre. Amen. Je cache la lampe, la table. Vous avez compris ça? C'est pas comme ça, Seigneur Jésus. Alors, ce qu'il faut, c'est avant tout
vivre l'Évangile, vivre la parole de Dieu, dépendre de la parole de Dieu, à notre niveau, à notre niveau. Ne cherchez pas à faire comme un tel, vous n'allez jamais. Amen. Faites avec ce que vous avez. Amen. Jésus a dit, tu auras ton Dieu de toute ta force. Fais avec les forces que tu as. Amen. Dis-le. Béni que c'est le nom du Seigneur, la Dieu est sur toutes mes lois. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais vivre la vie de l'apôtre Paul. Jamais. Pour arriver au niveau de l'apôtre Paul, il faut vivre toute la vie de l'apôtre Paul. Toutes les étapes, les souffrances, les douleurs, etc. Vous avez compris ça? Mais l'apôtre Paul ne pourra non plus vivre ma vie à moi. Parce que lui n'a pas vécu ma vie à moi. Vous avez compris ça? C'est-à-dire chacun est personnel. Amen. Chacun est unique. Chacun a sa propre vie avec Dieu. Et chacun doit vivre sa propre vie avec Dieu en accord avec la Bible. Bénis que c'est le nom du Seigneur, la Bible sur toutes les lois. Alors, vivons la parole de Dieu. Excusez-moi, ça n'a rien caché. Ni à la famille, ni au travail, Amen. Ni au contraire. La parole de Dieu, avant de la dire en parole, il faut la présenter en acte, en action, Amen. En témoignage. Amen. Bénis que c'est le nom du Seigneur, la Bible sur toutes les lois. Donc, Jésus n'est pas d'accord. Il ne faut pas cacher la vérité. Il ne faut pas cacher la lumière. Il ne faut pas cacher la parole de Dieu. Et il a dit, ça, on ne le fait pas. On n'allume pas une lampe pour la cacher après. Et ensuite, il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, bas de la cambre. Je sais comment c'est à l'offrir, parce que l'offrir no tiene cambre, c'est que toda la persona. Mais c'est vraiment que c'est non saber que nosotros tenemos que tener la cambre. Alors il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit. Excusez-moi, c'est bête. Ça ne correspond pas. C'est inhumain, ça. Et derrière, ce qui n'est pas bien, sinon. Allumer une lampe pour la mettre sous le lit, mais ça ne sert à rien. Sinon. Mais si Jésus l'a dit, ça veut dire que je suis d'une façon spirituelle, eh bien, il y en a qui le font. Le lit, ça parle de quoi? De paresse. Mais il y a d'où? Ça parle de paresse. Vous savez, si quelqu'un n'est pas reçu physiquement, c'est son problème. Mais d'une façon spirituelle, il ne faut pas être paresseux. Amen. Quand il faut prier, il faut prier. Amen. Quand il faut la trouver le louer, il faut le faire. Quand il faut l'examiner, il faut le faire. Quand il faut trouver le culte, il faut le faire. La Bible, c'est le nom du Seigneur. Il faut être zélé, dévoué pour les choses de Dieu. La Bible, c'est le nom du Seigneur. La Bible d'une façon spirituelle, elle est comme ceci. Un peu croiser les bras. D'accord? Un peu l'assouplissement. Et la Bible dit comme ça, la disette, l'âme, te surprendra comme un voleur. C'est-à-dire que le diable ne viendra pas pendant qu'on est là en train de payer le prix. Mais lorsque le diable voit qu'on croise les bras, parce qu'on ne peut rien faire, on s'assoupit. On laisse traîner, on remet à deux mains, et bien c'est là qu'il s'approche. Sinon, quand est-ce qu'il va s'approcher de Jésus? Quand Jésus a une fête. Vous comprenez ça? Alors, faisons très attention. Bénis que c'est le nom du Seigneur. On n'allume pas une lampe pour la cacher, avec, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le lit. Non! On ne veut pas de la paresse dans nos vies chrétiennes. On ne veut pas être paresseux pour prier, lire sa Bible, venir à l'église et faire les choses qu'il faut faire pour la gloire de Dieu et pour le bien de l'église. Béni soit le nom du Seigneur, la Bible sur toute la gloire. Il a dit aussi qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Ça ne correspond pas. Allumer une lampe pour la cacher avec un oiseau, allumer une lampe pour la mettre sur le lit ou allumer une lampe pour la mettre dans un lieu caché. Mais ça sert à rien. Et qu'est-ce que c'est une lampe pour la mettre dans un lieu caché? Ça veut dire, là, c'est pas vraiment cacher la lumière, c'est se cacher soi-même. Ça parle de la honte. Avoir honte de témoigner. Honte de parler de Jésus. Ça parle de timidité. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide. Il y a des personnes qui sont renfermées à eux-mêmes. Qui sont timides. Et les gens voient ça, bien avec le Seigneur. Et dans le gros, c'est quand on se prenait la messe, et d'ici, Seigneur, grâce à ton élément, je te demande, pour que tu aies fait.
n'ayons pas honte de l'évangile, n'ayons pas honte de Jésus. Amen, amen. N'ayons pas honte, le livre c'est le Seigneur, ne mettons pas la lampe dans les yeux cachés à elle, non, non. Parce que vous savez, évidemment, vous soyez bien, il y a des personnes qui sont timides, qui sont enfermées pour l'évangile, parler de Dieu. Mais quand on parle de prière, parle de l'étudiant, ils sont plus timides. Tu prends un décalage, non, regarde. Et pourtant, c'est des timides. Alors, soyons timides, pas pour les disputes. Là, oui. Là, d'accord. Amen. Mais ne soyons pas timides pour les choses de Dieu. N'ayons pas honte de parler de Dieu, de témoigner de Jésus. Mais dites au Seigneur le Seigneur. N'importe ce que les gens vont penser ou dire, notre devoir, c'est de parler de Jésus. Avec fierté. On ne parle pas de nous, on parle de lui. Et quand on parle de lui, on le fait avec fierté. On l'élève avec fierté. On le présente avec fierté. On est fier. Amen. De ce Dieu que nous avons. Amen. 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 Amis, nous sommes le Seigneur. Adieu, c'est en toute la gloire. Amen. 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 Mais qu'est-ce que vous Matthieu 5,15, je vais bientôt terminer. Mais on n'allume pas une lampe pour la cacher sur le boisson. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le lit. Ni non plus dans les yeux cachés. Alors. On aligne une lampe pour en faire quoi? C'est Jésus qui va dire. Mais, le mot mais, c'est le contraire de tout ce qu'on a dit. Mais, on allume une lampe et on la met sur le chandelier. C'est quoi le chandelier? C'est pas le chandelier, c'est cette branche que Jésus est en train de parler. C'est-à-dire que dans une prison, il y avait toujours quelque chose qu'on appelait le porte-lampe. Un support. Une petite étagère. Et c'était là qu'il fallait la mettre. Par exemple, il y a froid, il se casse, mais là, il se casse, il dit, voilà, si on a une lampe qui, il peut être la lampe bien en train de toute la casse. Dans ce cas-ci-là, il va mettre l'étagère là, et c'était là la place de la lampe. En fait, il était comme il faut la maison. Vous comprenez ça? Bien dit, c'est le Seigneur. Et Jésus a dit, pas sur le boisson, pas sur le lit, pas dans le jeu caché, mais au contraire, dans le porte-lampe. Là, à sa place. Et quand la lampe est à sa place, pas de problème, elle est prête. Quand un chrétien est à sa place, c'est là qu'il va être élevé. Je dis que c'est le Seigneur, ne le prenez pas mal. Si on n'est pas à notre place, on ne pourra pas porter le mieux qu'il faut. Vous comprenez ça? Quand on est à notre place, fidèle à notre place, qu'on aime la place que Dieu nous a donnée, c'est là qu'on va apporter la lumière qu'il faut. Amen. Je ne parle pas de la fonction, moi, de tocar, de cantar, je ne parle pas de ça. Je parle d'une façon spirituelle. Sois fidèle à ta place, à ton église. Aime ton église, serre ton église. Prie pour ton église. Intercède pour ton église. Fais-toi du souci pour ton église. Amen. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué importa esta plaza? ¿Tapa de don? ¿Tapa el berpillé? ¿Tú se pasa a usted? ¿Tan un rincón? ¿Nadie se da cuenta? ¿Tan un rincón? ¡Me chulía esta plaza! ¡Chulía esta plaza! Ce que Dieu veut, c'est te voir à la place qu'il t'a donnée. Amen. Et que tu sois fidèle à la place qu'il t'a donnée. Bendito sea el nombre del Señor. Je vois un peu d'eau. Alors, elle dit, une fois que la lampe est à sa place, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, dans l'église ou dans le foyer. Quand on est à notre place, on apporte de la lumière. Amen. C'est-à-dire qu'on va refléter la lumière de Dieu à nous. Elle dit que c'est le Seigneur. Donc à la maison, il faut apporter de la lumière, il faut apporter de la lumière dans l'église. Et si on n'apporte pas dans la maison, on n'apportera jamais dans l'église. Ni ailleurs. D'abord, c'est dans la maison où personne ne voit, où personne ne nous entend. C'est là le comportement, l'attitude d'un véritable chrétien et chrétienne. Et c'est là qu'on va éclairer. Et si on éclaire dans la maison, il n'y a pas de problème, on éclaire là où on ira. Et si dans la maison, il n'y a pas de lumière, il n'y aura pas de lumière là où on ira. Que Dieu nous aide. Bendito sea el nombre del Señor, a este la lumière de Dieu, là où nous sommes. Bendito sea el nombre del Señor. Luis, con François, va a decir, afin que ceux qui entrent dans la maison, dans l'église, voient la lumière.
Si la lumière qui est dans le porte-lampe à sa place, alors elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, et ceux qui entrent voient la lumière. Vous ne comprenez pas ça? Voient la lumière. Pour Antonio. Il n'a pas écrit, il voit Antonio. Il voit la lumière qui est en Antonio. Amen. Amen. Les gens ne doivent pas nous voir à nous, mais la lumière qui est en nous. Amen. Parce que les gens n'ont pas besoin de nous. Les gens ont besoin de ce que Dieu a mis à nous. Amen. Amen. Dieu est sorti de la voie. Donc les gens qui rentrent doivent voir la lumière. Bendito sea nombre del Señor. Et je termine. Matthieu 5, verset 7. Une fois que les gens rentrent, les gens voient la lumière, il dit, et que votre lumière brille ainsi devant les hommes. La lumière doit briller, pas nous. Si on présente notre expérience, notre connaissance, notre intelligence, notre savoir-faire, alors les gens vont voir des hommes, des femmes. C'est pas comme ça. Il faut que les gens puissent voir la lumière. Ce qui doit briller en nous, c'est la lumière de Dieu en nous. Amen. Amen. C'est pas nous qu'on doit briller. Alors comment faire pour ne pas briller, nous? Eh bien, il ne faut pas parler de nous. C'est aussi simple que ça. Si on n'arrête pas de parler de nous, c'est parce qu'on veut briller. Faisons briller les choses de Dieu, pas nous. Avec ce qu'il y a dans nous, tu l'as. Sinon, ne parlons pas de nous. Ne parlons pas de nous. Bendito sea nombre del Señor. Vous savez quand est-ce qu'on a le droit de parler de nous? Quand on a fait quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien. On les a tapés dans le piège. Et tu veux te choquer. Là, tu le crois. Mais quand tu pries, tu lis, tu jeûnes, tu fais le prix, tu le gardes pour toi. Tu ne dis à personne. Tu as jeûné, tu le gardes pour toi. Tu lis beaucoup la Bible, tu le gardes pour toi. Tu pries beaucoup, tu le gardes pour toi. Amen, tu témoignes la propagande, tu le gardes pour toi. Amen. Amen. Ne dis pas le travail que tu fais pour Dieu. Garde-le pour toi. Amen. Bénis le Seigneur, le Seigneur a dit sur la loi. Ne parlons pas de ce que nous faisons, parlons de ce qu'il fait. Amen. Ne parlons pas de ce que nous sommes, parlons de ce qu'il est lui. Bénis le Seigneur, le Seigneur a dit sur la loi. Afin que votre lumière brille devant les hommes. La lumière de Dieu doit briller à nous par le moyen du bon comportement, du bon témoignage. Bien, le Seigneur, le Seigneur. Et quel est le but? Afin qu'il voie vos bonnes œuvres. Amen. Amen. La lumière en nous sert à montrer aux autres les bonnes œuvres que nous mettons en pratique. Et les bonnes œuvres, les œuvres chrétiennes. C'est-à-dire que les gens du monde doivent nous voir vivre comme des chrétiens. Parler comme les chrétiens, agir comme les chrétiens, travailler comme les chrétiens, vivre comme les chrétiens, les gens voient ça, et ça, ça s'appelle bonnes œuvres. Bénis le Seigneur, le Seigneur. Les bonnes œuvres, ce n'est pas simplement donner un billet à quelqu'un qui n'a pas pour manger. Les bonnes œuvres, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. En pratique. Et ça n'empêche pas de donner un billet à celui qui a besoin. Vous comprenez ça? Mais avant tout, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et voilà le but de la lumière. Et le motif, la raison de la lumière, c'est est-il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Vous allez comprendre mieux. Que votre lumière brille devant les hommes, afin que les hommes puissent voir les bonnes œuvres de Dieu en vous, et ainsi les hommes pourront glorifier votre Père qui est dans les cieux. On ne peut pas glorifier Dieu s'il n'y a pas de conversion, s'il n'y a pas de repentance. Les gens vont être attirés par la lumière de Dieu en nous. Amen. Cette bonne lumière va les éclairer parce qu'ils vont voir en nous une vie chrétienne mise en pratique. Ça, ça va les attirer, ça, ça va les convaincre. Et que va-t-il se passer? Ils vont être touchés dans leur cœur et conscience et ça va les pousser à se repentir, à se convertir. Et ensuite, ils diront, gloire à Dieu. Amen. Voici ce qu'il veut. Que ta lumière porte du fruit. Amen. Amen. Et le fruit de la lumière, c'est la conversion des perdus. C'est la repentance des perdus. Bénis le Seigneur, le Seigneur, que ta famille puisse se convertir à travers la lumière qui vient de toi. Amen. À Dieu, le Seigneur, la gloire. Bénis le Seigneur, le Seigneur. Donc voilà la raison, le motif de la lumière à nous. C'est que des âmes perdues
puisse boire en nous cette lumière, puisse les attirer, les amener à la croix, et que ces hommes puissent convertir et donner leur vie à Jésus. Amen. Bien dit, c'est le Seigneur. Je vais terminer. Il n'y a pas de couvre-feu, mais faites à moi que vous le Jésus a fait de nous la lumière du monde. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Jusqu'au jour de son retour. Amen. Amen. D'accord? Et nous sommes, je parle exactement parce que des fois il y a 15 hommes. Moi, je suis la lumière tant que j'ai les pieds sur terre. Tant que je suis en vie, je suis la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde pendant que je suis dans le monde. Et moi, pendant que je suis en vie, je suis la lumière. Mais le jour où je dois partir, c'est fini. C'est fini. Je ne serai plus la lumière. Parce que je rentrerai dans la lumière elle-même. Bénis le Seigneur. Aujourd'hui, on est la lumière du monde. Lorsqu'on rentrera dans le ciel, on ne sera plus la lumière. Vous avez compris ça? Parce que là-haut, il n'y a pas de ténèbres. Sinon, là-haut, c'est la lumière elle-même, divine, pure, qui est Dieu. Amen. Et la Bible dit que là-haut, amen, qui va éclairer qui? C'est pas besoin d'éclairer, il n'y a pas de ténèbres. L'obscurité n'existe pas là-haut. Mais Dieu, dans sa personnalité divine, est lumière. Christ, dans sa personnalité divine, est lumière. Et la Bible dit que Christ sera notre flambeau. Alléluia. Amen. Notre flambeau. Amen. Bénis le Seigneur, le Seigneur, la vie est sortie de moi. Encore, pendant que nous sommes en vie, on a des problèmes, des difficultés, on a des soucis, on a des maladies, mais ça n'empêche pas d'être la lumière. Ça n'empêche pas d'éclairer. Les maladies, les soucis, les fracas de la vie, écoutez bien, ça ne touche pas l'huile. Amen. Ça n'empêche pas la lampe d'éclairer. La seule chose qui empêche la lampe d'éclairer, excusez-moi, c'est le péché. C'est le péché. C'est les choses les plus immondes. Mais les problèmes de la vie physique, terrestre, matérielle, familiale de la terre, ça n'empêche pas la lampe d'éclairer. Vous avez compris ça? Alors ne te fais pas de soucis, que des problèmes, des soucis, des maladies. Ça n'empêchera jamais à ta lampe de pouvoir éclairer. Alors continue, continue, continue. Et sache entretenir ta lampe. Amen. Sache entretenir ta lampe. En fait, que la lampe, il ne faut pas donner accès ou attendre tôt que la lampe fume, qui est une moulée. Il faut l'entretenir pour que la flamme éclaire, pour que la flamme éclaire, la flamme puisse bien éclairer. Bénis-toi, Seigneur, bénis-toi. Vous comprenez, Seigneur? Amen. Je fais qu'on passe un petit moment dans la prière, ça vous fera tout bien. Amen. Quand vous rentrez, vous avez un petit peu, Seigneur? Au revoir, Seigneur.